Comme chaque soir, Cyril Hanouna a donné rendez-vous à ses fidèles téléspectateurs pour un nouveau numéro de Touche pas à mon poste. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet épisode était riche en rebondissements. En effet, au début du programme, l'animateur a présenté son nouveau programme Objectif Top 100. Dans ce dernier, les caméras de C8 suivent la progression de Cyril Hanouna au sujet de son nouveau sport favori. Le padel. Quelques instants plus tard, l'émission a pris une toute autre tournure lorsqu'il a demandé à son équipe quelle langue il parlait. Personne ne s'attendait à ce que Benjamin Castaldi révèle qu'il a eu une maîtresse pendant plus de 7 ans alors qu'il était en couple et marié. « J'ai eu une maîtresse allemande pendant 7 ans donc je parle très bien l'allemand. » Arrêtez de faire le coup, ils ont enfin, vous savez très bien ce qu'est une maîtresse. Je l'avais quand j'étais mariée, c'est le principe même d'une maîtresse. Je suis divorcée aujourd'hui, ça ne compte plus. Et lorsque Cyril Hanouna lui demande si sa femme était au courant, sa réponse est on ne peut plus claire, là. Je crois qu'elle va l'apprendre. Il fallait que je me libère, j'avais besoin de dire les choses. Cette Allemande-là, je l'ai très longtemps comme maîtresse, elle a donc vécu un divorce, un remariage, un divorce puis un remariage. Et là, elle m'a dit, tu es un salopard. C'est une dame qui a un haut poste à la télévision en Allemagne. Mais la suite du programme a pris un autre sens. Et pour cause, Cyril Hanouna recevait sur le plateau de Touche pas à mon poste Jean-François Clairvoy, un ancien astronaute. Ce dernier a dévoilé un long témoignage sur son ancien métier complètement fou. Il a dévoilé les coulisses des préparations post-mission, les missions en elles-mêmes. Mais aussi le retour sur Terre qui peut être douloureux aussi bien physiquement que mentalement. Une intervention qui a visiblement beaucoup plu aux internautes. En effet, ces derniers ont fait part de leur joie sur Twitter d'avoir ce genre de témoignage. Qui change un peu de d'habitude, l'astronaute est passionnant, adorable cet astronaute. Super intéressant, génial cette séquence avec l'astronaute. Beaucoup d'informations intéressantes et éblouissantes. Super intéressant, c'est du sérieux ce soir TPMP, peut-on lire sur Twitter? Un voyage dans l'espace qui les a convaincus.